Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un mix de pilates et de yoga pour renforcer les muscles profonds. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on commence assis sur son tapis, le dos bien droit. On tire sur la tête, on baisse les épaules. On attrape l'arrière des cuisses, les jambes sont fléchies. On inspire, on souffle, on rentre le ventre. Le menton sur la poitrine, le dos rond, on ouvre au maximum ses omoplates. Et à nouveau, on inspire, on se grandit. Et on souffle le dos rond. Et on inspire. Ici, on passe les bras devant soi. On descend. On rentre bien le ventre. On souffle. Et on tend la jambe gauche. Et on tient. On baisse les épaules. On tire sur la tête. Les deux cuisses bien parallèles. On attrape la cuisse. Et on rapproche de son buste. Puis on enroule. On s'allonge. Pied flex. Et on souffle, on rapproche. Et on tient, on tient, on tient. On relâche les bras au plafond. Et ici, on va décoller les fesses. Allez, on décolle et on repose. Allez, 8 fois comme ça. À son rythme. Et de 7. Et de 8, on reste en haut. On tient, on serre les fesses et on monte sur la pointe de pied. Puis on fléchit la jambe, toujours sur la pointe de pied, on fait des petits ici. Allez, soufflez bien. Encore. On serre les fesses. Allez. Et on reste. On repose. On attrape le genou. On souffle, on ramène à la poitrine. Puis on allonge la jambe au sol. On garde toujours le genou gauche à la poitrine. On ouvre le bras droit sur le côté. Et on laisse tomber le genou en ouverture. Puis on ramène au centre. On attrape avec l'autre main. On ouvre le bras gauche sur le côté. Et on ferme le genou sur le côté. Allez, soufflez bien. Puis on revient au centre. À nouveau, on ramène le genou à la poitrine. En soufflant. Puis on va tendre la jambe gauche au plafond. On attrape l'arrière de la cuisse. Cette fois-ci, on ramène le buste à la jambe et on va décoller la jambe droite du sol. Puis on fléchit les mains devant et ici on pédale en alternance. Allez, soufflez à chaque fois que vous tendez la jambe. Encore. Allez, 4, 3, 2,
dernier à droite et dernier à gauche. Et ici, on repose une jambe, puis l'autre, et on va se grandir, on se grandit, on se grandit. Pieds flex, on tire dans les talons, on tire dans les bras. Puis on relâche. On monte les bras au plafond et on enroule. On serre bien le ventre. Et à nouveau, on se grandit. Et en soufflant, on descend sur les jambes tendues. Allez, on inspire, on relâche un petit peu. Et on souffle, on descend. On pose les mains près des genoux, on déroule. Et à nouveau, on inspire, on se grandit. Et soufflez. On vient poser les mains derrière, les doigts tournés vers les fesses. Et ici, on lève son bassin. Et on tient. On serre le ventre. Et posez. On fléchit les jambes, on attrape l'arrière et on recommence le tout avec l'autre jambe. Allez, on commence, on tend les bras devant et on descend ici. On baisse bien les épaules. On tient et on tend l'autre jambe cette fois-ci, bien parallèle à la cuisse. Allez, on tient bien, on souffle bien. Puis on attrape la cuisse et on la rapproche de soi. Puis on s'allonge. Pied flex et on ramène un petit peu plus vers soi. Puis on tend la jambe bien au plafond, les bras au plafond. Et ici, on va décoller les fesses et on repose. Allez, on décolle et on repose. Et on souffle, on inspire. Et on reste en haut. On décolle le talon, on fléchit la jambe. Et petit ici. Allez, hop. On serre bien les fesses, toujours en soufflant. Et on reste. Puis on repose. On attrape le genou droit qu'on ramène à la poitrine. On allonge la jambe gauche au sol. On ouvre le bras gauche sur le côté et on ouvre le genou de l'autre côté. Vous pouvez retenir votre genou avec la main. Baissez toujours bien vos épaules, tirez sur la tête. On ramène le genou. Et on change de bras. Et on pivote sur le côté. Gardez bien les épaules au sol. Puis on revient au centre. À nouveau, on tend la jambe. Cette fois-ci, on ramène le buste et on décolle la jambe au sol. Et on tient. Puis fléchissez à nouveau le genou, les bras devant et on alterne. On souffle. Allez, on tend
et on souffle, souffle. Encore. Allez, serrez bien le ventre. Puis on reste ici, on allonge les jambes, on allonge les bras, on passe en pied flex et on se grandit, on se grandit, on se grandit. Allez, on va serrer les abdos, on passe les bras au-dessus et en soufflant, on s'enroule. On se grandit et on descend sur les jambes. Allez, toujours la poitrine vers les genoux. On inspire, on relâche un petit peu et on souffle, on descend. Puis on ramène les mains près des genoux et on déroule. À nouveau, on se grandit. On souffle, on passe les mains dans le dos, les doigts vers les fesses. On serre le ventre et on décolle les fesses. Puis on repose. À nouveau, on se grandit et on souffle, on relâche. Et on va passer à quatre pattes. Allez, à quatre pattes, les genoux légèrement écartés. Bien en dessous des hanches, les poignets bien en dessous des épaules. Ici, on va inspirer et souffler. On pousse sur les mains, on pousse sur les genoux, on fait le dos rond. Puis on revient, on inspire en faisant le dos plat. Encore une fois, soufflez. Et inspirez. On se met sur les pointes de pied. Ici, on va pousser sur les mains, les index bien parallèles. Hop, et on lève les fesses au plafond. Allez, le poids du corps au centre. On rentre bien le buste entre les épaules. Et ici, on fléchit une jambe puis l'autre. On revient au centre, puis on passe en planche. Le dos bien plat. On pose les genoux, on pose les orteils et on descend tout doucement le buste, puis on décolle le haut du buste. On serre les fesses. Puis à nouveau, on descend tout doucement. On revient sur les orteils, les genoux. Et à nouveau, on lève les fesses. Et à nouveau, on marche ici. On fléchit une jambe en alternance. On essaye de rapprocher au maximum les talons du sol. Puis on revient. Puis on va lever la jambe gauche au plafond. On serre les abdominaux pour garder l'équilibre. Puis on fléchit la jambe. Et ici, on va ramener genou vers le coude gauche. On revient. Et genou vers le coude droit. Allez.
coude gauche, on revient, coude droit. Et genou gauche, et coude droit. Coude gauche, coude droit. Allez, dernière fois. On reste sur le coude droit. On va poser la jambe. Poser les pointes de pied. Et poser la tête sur son tapis. Puis on se redresse. À nouveau sur les pointes de pied, on va poser ici et à nouveau les fesses sur le plafond, au plafond pardon. Et à nouveau on va marcher. Allez, on pousse bien sur les mains, on rapproche les talons du sol. Puis on reste ici, on passe en planche, on tient un petit peu, on peut poser les genoux ou rester comme ça, on descend tout doucement et on décolle le buste. Toujours pointe de pied posée à plat. On redescend sur pointe de pied, sur les genoux ou on remonte tout doucement. Et on repart en chien museau en bas. Et à nouveau, on marche. Puis on reste ici. Allez, on pousse sur les mains. On revient, on va lever l'autre jambe. On fléchit. Puis on ramène sur le côté, on remonte l'autre côté, l'autre coude et on remonte. Allez. Puis on reste ici. On remonte une dernière fois, pardon. On fait l'autre côté. On avance le genou. On pose la pointe de pied. Et on descend. Allez, soufflez bien. On pousse sur les mains, on se redresse. Sentez l'étirement dans les fesses. On repasse sur les genoux, on s'assoit sur les talons et on va aller chercher loin devant. Puis on ramène les mains près des genoux et on déroule. Et on va passer assis. Allez, en position assis, toujours le dos bien droit, on baisse bien ses épaules, on tire sur la tête. Puis on va aller poser le coude droit au sol et lever le bras gauche au plafond et on tire sur le côté. On ne décolle pas les fesses, on regarde le plafond. On regarde le sol, puis à nouveau on regarde le plafond. On pousse sur la main et on revient. On fait l'autre côté. On regarde bien le ciel, on sent l'étirement dans la taille. On regarde le sol.
Et à nouveau, on regarde le plafond. Allez, soufflez bien. Allongez les bras. Et on souffle, on revient. On pose les pointes de pied au sol. On ouvre les bras. On décolle. Allez, on tient. Tibia parallèle au sol. Puis ici, on va poser une pointe de pied, puis l'autre. Allez, on serre les abdos pour garder l'équilibre. Allez, encore 4. Et on pose les deux pointes de pied, on attrape les genoux, on se redresse. On ouvre un petit peu les pieds, on souffle, on fait le dos rond. Et on revient. On reprend la position en tailleur, toujours les épaules bien basses. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. On pose le menton sur la poitrine et on fait des petits cercles à droite et à gauche. On revient au centre, on redresse la tête. Et dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on relâche. Et voilà, est terminée notre séance mix yoga pilates. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt.